Nous sommes plus de 2 milliards à utiliser WhatsApp pour discuter avec nos proches, nos collègues et nos familles. Mais il y a peut-être des petites astuces que vous ne connaissez pas. C'est parti pour 5 fonctions cachées du service de messagerie de Facebook. Vérifier quand un message a été reçu et lu. WhatsApp dispose visuellement de petites coches colorées pour signifier lorsqu'un message a été envoyé, reçu ou lu. Mais l'application permet d'en savoir plus en restant appuyé sur le message et en allant dans le menu Info. Vous verrez alors s'afficher l'heure de la distribution ainsi que l'heure de lecture. Un balayage vers la gauche sur iOS obtiendra le même résultat. Empêchez les autres de savoir que vous avez lu leur message. A l'inverse de l'astuce précédente, vous n'aimez peut-être pas que l'on sache si vous avez vu tel ou tel message. Il est possible de désactiver ces accusés de réception et donc de passer inaperçu lorsque vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie de répondre à un message. Rendez-vous dans les réglages, puis dans Compte, Confidentialité, désactivez ensuite la fonction Confirmation de lecture. Deux choses à savoir. La première, c'est que vous ne pourrez plus, à votre tour, savoir quand vos interlocuteurs ont lu vos messages. La seconde, c'est qu'il est préférable de passer le paramètre Vue à sur l'option Personne. Pourquoi ? Parce qu'en plus de ne pas avoir la confirmation de lecture, vos interlocuteurs ne pourront pas savoir que vous êtes en ligne et que vous faites semblant de ne pas avoir vu leur message. Limitez la consommation de données. Si vous partez à l'étranger et que votre forfait internet est limité, mieux vaut procéder à quelques réglages avant de partir. Ouvrez les paramètres, allez dans Utilisation des données et du stockage, dans la section Téléchargement automatique des médias, assurez-vous que photos, audio, vidéos et documents soient tous configurés pour ne télécharger automatiquement les éléments qu'en Wi-Fi, ou bien même jamais. Par défaut, les photos sont en principe téléchargées automatiquement en Wi-Fi, mais aussi en cellulaire. Désactivez la sauvegarde automatique des contenus. Que vous utilisiez WhatsApp sur iOS ou Android, l'application a la fâcheuse habitude de faire apparaître tous les contenus multimédia que vous recevez dans votre pellicule. Pour faire cesser cette manie, allez dans les réglages, puis dans Discussion et décochez l'option Enregistrer dans la pellicule. A noter que ce réglage est aussi applicable à des conversations spécifiques. Personnalisez vos conversations. Il y a plusieurs façons sur WhatsApp de personnaliser une discussion. Vous pouvez dans un premier temps, par exemple, modifier le fond d'écran. Ouvrez les paramètres, allez dans Discussion et accédez au menu Fond d'écran. Vous pouvez sélectionner une image de votre galerie ou bien utiliser des images directement proposées par WhatsApp. L'autre option pour personnaliser ces discussions, c'est de modifier la tonalité. Ouvrez les paramètres de la discussion en cliquant sur le nom de la personne concernée, puis allez dans les paramètres et accédez au menu Tonalité personnalisée. Sur iOS, vous pourrez alors choisir une sonnerie particulière pour identifier plus facilement un contact important. Sur Android, vous pourrez également faire cela, mais aussi jouer sur le niveau de vibration. C'est tout pour les fonctions cachées de WhatsApp. On se retrouve très vite sur zeonet.com pour plus d'astuces.